Que s'est-il passé ce matin lors de ma sortie? Vous voyez ici la projection. Projection du produit qu'il y a dans les pneus tubeless. Donc moi je suis en tubeless. Derrière je mets 4,5, devant je mets 4. Ma section est de 28. Et voilà. Et ce matin, projection. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis arrêté assez rapidement. Parce qu'en général, si on sent la projection sur les jambes, c'est que ça ne va pas reboucher. Et voilà la fente. Ça ne va pas reboucher. Et regardez, là, c'est au moins 3, voire 4 mm. Donc, je me suis arrêté. J'ai mis la fente en bas pour que le produit rebouche. Et je sais pas, moins de 30 secondes après, j'ai pu repartir. Le pneu, j'ai même pas regonflé. J'ai même pas trop senti la différence. Peut-être 200 grammes de pression en moins. Et ensuite, c'est reparti. Depuis, j'ai rien fait. Et la pression, ben, pour le moment, elle est toujours bonne. Hein. Mais voilà, donc... Quand on a une fente assez importante, si c'est juste un tout petit trou, ça, au bout de 3 ou 4 passages dans le bas, là où il y a le produit, ça va boucher. Mais par contre, quand il y a une grosse fente comme ça, le mieux, c'est de s'arrêter, mettre le trou en bas, et puis que ça rebouche directement. Et ben, moi, j'ai eu aucun problème avec ça. Voilà!